Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Silent Hill 2. Bon, on est reparti. Cette fois-ci, on n'est pas trop mal. Alors, on avait commencé à explorer la partie bloquée du troisième étage. Troisième étage, on va dire, parce que c'est les notations américaines des étages. Alors juste, je vais juste faire un petit truc. Hop. Voilà, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux niveau de la caméra. Bon, on avait commencé à le faire, on avait vu, on avait croisé notre très très cher Pyramid Thing. Pyramid Head pour les plus intimes. Ouais, parce que dans Silent Hill 2, son nom c'est Red Pyramid Thing. Ce qui. Et je vois pas pourquoi on l'a renommé Pyramid Head derrière. Moi personnellement, je vais garder le nom Pyramid Head parce que tout le monde l'appelle comme ça et parce que c'est un très bon nom pour lui. Ok. Je l'entends au loin en train de errer dans le couloir. On en est où? On va bientôt passer la chambre où on a vu notre tête de pyramide. C'était cette chambre-là, c'est ça? Ouais. Il doit y en avoir un deuxième, du coup, un deuxième ennemi. Par contre, on n'a plus de munitions, il faut qu'on recharge. Ok. Ok, je vais faire un truc. Je vais l'achever au bâton. Putain! Bon, tant pis. J'ai fait le con. Je vais utiliser une trousse de soins. Putain. Mais je fais le con, décidément. Ok, bon. Ah, c'est pas verrouillé ici? Sérieux? Bon. Wait a minute. Ah, d'accord, ça mène ici. Ça mène là. Alors, ah, mais... Ok, notre objectif, c'est d'aller tout à gauche, ok. Ouais, bon. Pas grave. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici? En termes de soins, en termes de n'importe quoi. Assez calme. Je préfère cela. Ok, là c'est bloqué. Carrément bloqué. Oh, attendez. On peut déverrouiller normalement ici. C'est déverrouillé, du coup on peut retourner à l'entrée principale. Yes. Ça c'est cool. Ok.
Je crois que je loupe les chambres là. C'est ouais, sur la gauche. Ah ah! Du coup. Celle-là, c'est bloqué. Celle-là, il doit y en avoir une qui n'est pas bloquée, il me semble. Il me semble qu'il y en a une qui est déverrouillée. Oh, c'est quoi ça? Canette de jus. Ah, je sais où est-ce que ça va. Je sais. I know everything about you. Mais on va retourner à l'étage parce que il y avait un truc qu'il fallait que je récupère. Si vous vous souvenez bien, de l'autre côté, quand on était au troisième étage, mais qu'on était de l'autre côté des barreaux, il y avait une petite fille qui nous avait taclé un truc qui était au sol et qui nous intéressait. Ben, on va essayer de le récupérer. Cette fois-ci, on va s'en foutre complètement de la créature. Il y en a un seul, donc du coup, ça va, c'est. C'est esquivable. Sachant que on n'aura plus vraiment à revenir dans ce coin-là, logiquement. Alors, c'est la 303. Ok. Viens, mon petit salaud. Ouf, ok. T'es pas loin à côté. Voilà, on va dire que. C'est à peu près bon. Hein? Aïe! Bon, on va dire que c'est bon, il y avait rien d'autre ici. Aïe! Mis à part des emmerdes. Hein? Ok. Aïe! Genre ce type d'emmerde. Toi, t'es mort. Tu fais pas chier. Tu es mort. Ok. Bon, théoriquement, j'ai pris trop de dégâts, du coup, je me soigne. C'est bon. On a combien de soins d'ailleurs? 4 et 2. Ok. Ça va. Faut éviter que je me prenne d'autres dégâts de ce genre. Ah voilà, c'est ça. Clé de la sortie de secours. Et ça, si mes souvenirs sont bons, c'est. Merde, c'est vrai qu'il faut faire ça à chaque fois. C'est au dernier, à l'étage du bas. On a la sortie qui mène à la cour. Ok. Alors, deux choses. L'une, on va prendre. Les escaliers en bas et redescendre au rez-de-chaussée pour comment dire? Ah! Pour retourner à l'entrée, on va aller au premier étage. Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on avait vu qu'il y avait un conduit à ordures qui était bloqué et on va essayer de le déboucher grâce à la canette vide qu'on a. Puis ensuite, on va aller dans la cour du rez-de-chaussée. Hop, ça va pas prendre trop de temps. Allez, on se dépêche. Voilà. Ici, j'ai un peu gâché mes munitions pour tuer l'ennemi là-bas, mais bon, il me faisait trop chier. Il me faisait trop chier. C'est soit ça, soit je me prenais des dégâts. Je préfère perdre des balles que prendre des dégâts. Je vais faire quand même attention à bien garder
quelques munitions pour le boss, parce que le premier boss est pour bientôt, je crois. Je sais pas. Parce que moi, quand j'ai joué au jeu, je suis pas allé jusqu'au premier boss. J'ai commencé à faire cet environnement-là. Je suis allé un peu plus loin, mais je suis pas allé jusqu'au boss numéro 1. De toute façon, faudra revenir en bas. On va aller en premier ici. J'hésite à sauvegarder. Je vais pas hésiter un instant, je vais sauvegarder parce que là, c'est quelque chose. Non, on peut pas prendre ce qu'il y a par terre. Je vais pas hésiter, je vais sauvegarder. Hop. Alors. Sauvegarde possible, on va sauvegarder ici. Nickel. Bon. J'ai définitivement l'impression que les ennemis sont plus agressifs. Pas dans le sens où ils foutent plus de dégâts, mais dans le sens où ils attaquent plus souvent. Parce que je me souvenais pas prendre autant de murges en normal. Ou bien j'ai une très mauvaise mémoire et faut vraiment que je consulte. Ce qui serait pas à exclure. Ok, alors. On utilise ça là. J'entends les ennemis bouger malgré tout. On est calme, on va bien. Alors, on retourne à l'extérieur. Et il y avait, ça c'était dans la deuxième vidéo, je sais pas si on l'avait vu, mais il y avait une sorte de vide ordure, enfin pas d'un vide ordure, mais des sacs poubelles entassés dans un coin dehors. Voilà. Du coup, on va ici. Et on récupère deux choses. Le sac poubelle est déchiré et les détritus sont éparpillés. Une pièce vieil homme. Et aussi, qu'est-ce que c'est? Un magazine mondain. Et la police vient d'annoncer que Walter Sullivan, arrêté le 18 de ce mois-ci suite à l'assassinat de Billy Locane et de sa sœur Myriam, s'est suicidé dans sa cellule le matin du 22. Si vous avez vu mon let's play de Silent Hill 4 ou si vous avez joué à Silent Hill 4, vous savez qui est Walter Sullivan. Selon la police, Sullivan aurait mis fin à ses jours en se sectionnant la carotide avec une cuillère à soupe. Quand le gardien est arrivé, Sullivan avait déjà perdu trop de sang. La cuillère plantée à une profondeur de 4 cm dans le cou. Je me souviens pas par contre si la mort était exactement comme ça dans Silent Hill 4. Un vieux copain de l'école de Pleasant River, ville natale de Walter Sullivan, a déclaré à le voir, on l'aurait jamais cru capable de tuer des mômes. Et pourtant, juste avant son arrestation, il baragouinait un tas de trucs bizarres dans le genre, ils essayent de me tuer, de me punir, le monstre, le diable rouge, pardonnez-moi, je suis coupable, mais c'était pas moi. Son vieux copain a ajouté, eh bien, à bien réfléchir, il devait être un peu zinzin. C'est un peu différent de notre Walter Sullivan du Silent Hill 4, mais je sais pas. Ça remonte à loin mon let's play sur Silent Hill 4, donc du coup, les détails, je me souviens plus tellement, mais c'est en tout cas Walter Sullivan, c'est bel et bien le personnage de Silent Hill 4, l'antagoniste de Silent Hill 4. Bon. Alors là. Ennemis, ça mène où ça? Demi-tour. Très bien. Voilà. Je veux pas. Je veux pas y aller. Ok, d'accord, très bien. Je vois le genre. Je vois le genre.
4 à explorer. On va faire ça en douceur, mais bon, déjà, on va voir ce qu'il y a dehors. Je sais qu'il y a un truc important à récupérer dans la piscine de cet appartement, genre là-dedans. Les ennemis sont dans la piscine. Attendez-moi, j'arrive. Je vérifie juste qu'il n'y a rien d'autre. Ok. Ok, alors. Faire gaffe à bien longer les bords. Et genre, bien. Je sais pas si c'est un objet clé ou autre chose. Nope. Ok, bon, on va faire ça. Aïe. Aïe. Putain. Mais oui, ils sont violents, hein. Non, 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 non. Ne retourne pas dans la piscine. Je sais que tu meurs d'envie de faire un plongeon, tête la première, mais c'est... Crois-moi. Ça va te sauver la vie. Ok. On va commencer par la droite. Aïe. Ok. Alors ça, c'est un bruit définitivement humain. Bien, un monstre qui a vraiment, vraiment, vraiment mal ventre. Balle de pistolet, ok. On a 31 balles, ok. Ça va. Ça va. Tout va bien. Qu'est-ce que c'est? Belle en forme, mec. Dure soirée, hein. I didn't do it. Do what? I didn't do anything. I swear. He was like this when I got here. Mm-hmm. My name's James. James Sunderland. Eddie. Eddie. Who's that dead guy in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill anybody. You're not friends with that. Red pyramid thing. Red pyramid thing. I don't know what you're talking about. Honest. I did see some weird looking monsters. They scared the hell out of me, so I ran in here. Well, I guess this place isn't too safe either. What happened here anyway? I told you, I don't know. I'm not even from this town. I just... Calmos, calmos, calmos. You too, huh? Something just brought you here, right? Yeah, you could say that. Well, whatever it is, I think you better get out of here soon. Yeah, you're right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful. James, I you be careful too. Bon. Au moins dans ce Silent Hill, on rencontre des PNJ sympas. Bon, qui ont la tête un peu dans les toilettes, mais bon. Voilà. En même temps. Je verrai ça, je pense que je serai en train de dégueuler aussi. Qu'est-ce que qui a bien pu faire ça? Ouais. Il a dû éclater sa tête dans le frigo.
Ah, vous m'aurez pas. Ok, ça c'est mort. Limite. Ok. Je me prépare. T'es sûr? Toi, t'es crevé. Aussi. Okay. Bon, non, on peut prendre notre temps. Brochure. Qu'est-ce que ça dit? Bienvenue à Silent Hill. Silent Hill, petite ville touristique et paisible en bord de lac. Nous vous accueillons avec plaisir. Interrompez votre programme chargé pour vous reposer un peu dans notre ville. Vieille demeure pittoresque, paysage de montagne impressionnant et un lac dont les multiples facettes se succèdent au fil du jour, du lever du soleil, à la fin de l'après-midi, au coucher du soleil. Silent Hill va vous émouvoir et vous remplir d'une profonde sérénité. Nous vous souhaitons un agréable séjour et des souvenirs éternels. Rédacteur Roger Widmark. Merci. Bon. J'ai pas pris de dégâts, mais j'ai gaspillé au moins 8 balles. Mais j'en ai récupéré 10. Ok. Faut vraiment que j'ai une trentaine, peut-être même une quarantaine de balles pour le premier boss. Ce serait avantageux. Donc du coup, ici. Si vous me dites qu'il n'y avait que des balles à récupérer, je pète un câble. Dites-moi qu'il y avait autre chose. Dites-moi qu'il y avait un item clé. Dites-moi qu'il y avait des soins. Dites-moi qu'il y avait... Je sais pas. Non, rien. Rien. Je suis juste pour venir pour des balles. Bon, je suis pas contre, hein. Bon, c'est comme si j'avais gagné 2 balles de pistolet. Mais vraiment, rien. Rien du tout. Il y a un souci, là. Alors, je vais vérifier mes items clés. On va examiner ça. Il n'y a pas moyen de le retourner. Non. Non. Je suis confus. Il me manque quelque chose. Il me manque définitivement quelque chose. Je suis perplexe. Je sais pas trop. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui me manque. Le conduit à ordures, c'est fait. La chambre 205, c'est là où il y avait la lampe. La chambre 301, c'est là où il y avait le pistolet, si je ne me trompe pas. La chambre 202, il n'y avait rien, si je me souviens bien, mis à part des monstres. Est-ce qu'il y avait vraiment que des monstres? Est-ce qu'il n'y avait aucun item clé? Il me semble pas. Il me semble pas parce que on doit avoir accès... alors vous voyez là, il y a une partie gauche sur la map. Normalement on est censé pouvoir y aller, mais il faut une clé pour déverrouiller ce passage. Et je ne sais pas où se trouve cette clé. Au rez-de-chaussée, on a récupéré les deux pièces. On a récupéré la pièce dehors et la pièce dans la piscine. Ça, c'est bon. 101, il y avait Eddy. 104, il y avait les munitions. Il y a la porte en bas du 1F. Il y a une porte qu'on n'a pas explorée. Mais c'est une porte qui mène vers l'extérieur. Ça m'étonnerait qu'il y ait quoi que ce soit derrière cette porte. À mon avis, non, c'est la part de temps. Deuxième étage, mis à part la 210, où on a moyennement bien fouillé parce qu'il y avait beaucoup de monstres, je ne vois pas du tout ce qu'il y a d'autre. Enfin, il me semble, on n'avait pas bien pu la fouiller. 307, c'est là où il y avait Pyramid Head.
C'est là où on avait obtenu les balles, le pistolet. Enfin, on avait obtenu quelques items utiles, 303 aussi. 303. 303, on n'a pas bien pu la fouiller parce qu'il y avait pas mal de monstres. Si ça se trouve, en 303, il y a quelque chose. Donc je vais sauvegarder. Je vais arrêter cette vidéo là. Et puis, prochaine vidéo, on va voir du coup ce qui se trame. S'il y a quelque chose. Je vais voir quand même sur internet. Hop. Voilà. Wait, attendez un instant. Me dites pas que l'enregistrement est foiré. Ne me dites pas ça. Tac, 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 tac. Putain, là je suis en train de regarder mon logiciel. Il a. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour ne pas manquer la suite. Merci encore et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!